C'est super cool. Je vais faire très vite l'historique des formats existants depuis les années 1850, si tu veux, ouais. En prenant la base de chez Martin. Les modèles, ils sont numérotés en fonction de leur taille. Donc, tu as 5, 4, 3, 2, 1, 0, 00, 000, OM et D. Voilà. Et après, donc, micro-manche. Et là, du coup, on va avoir de la rondeur. Micro-manche, ouais, plus de bas. Après, comme ça reste de la Nico 2, un joli médium et du coup, des aigus plutôt soyeux. Ouais. Et un bas qui est vraiment présent, mais sans être dévorant. Voilà, c'est pas le rumble de fond qui va passer par-dessus tout. Quoi. Mmh. Moi, j'aime beaucoup entendre toutes les cordes de la guitare. J'aime vraiment la dynamique. Ouais. J'aime quand tu plaques un accord, t'entends tout et pas juste un truc qui fait un peu comme c'est ça. Vrai, c'est vrai. Donc... Elle t'aime cette guitare. Le E-stone, c'est quoi? Le E-stone, c'est en fait c'est des frettes qui sont positionnées à un endroit différent de ce qui se fait traditionnellement. Évidemment, il y a deux autres systèmes qui sont très connus, que vous connaissez probablement, qui s'appellent le fan fret avec en éventail. Thank you.